Bonjour, bonjour les vierges. J'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour ce mois de septembre, pour le tirage des énergies générales du mois de septembre. Donc, on va voir ce qui vous attend. Alors, excusez-moi, je fais un peu de place. Alors, avec les trois premières cartes. Ce qui va dominer dans les énergies générales de votre moi, hein, dans les forces, dans les faiblesses. Alors, nous avons l'enfant, nous avons le cercueil et nous avons la faux. Bon, je pense que sur ce mois de septembre, vous avez envie de vous transformer. Je pense que ça va être le cas. On va voir par la suite. Mais voilà, il y a une nécessité, un besoin de transformation, de vivre les choses plus légèrement, de profiter de la vie. Alors, soit parce que vous êtes en vacances, soit, enfin, sous l'influence effectivement de vos vacances, ça peut être le cas, soit justement le fait d'avoir passé certaines vacances vous font voir la vie différemment. En tout cas, vous avez envie de la vivre différemment, vous avez envie d'une transformation. Vous avez envie de vivre de façon plus légère, de profiter de la vie, de profiter des petits bonheurs de la vie, de la joie, d'être léger, de plus vous prendre la tête, de pas, vous n'avez pas envie de reprendre vos soucis de la rentrée. Donc, malheureusement, les soucis de la rentrée, on ne peut pas les éviter. Donc, je pense que vous allez avoir une transformation par rapport à votre façon d'appréhender la vie, d'appréhender les choses. En tout cas, là, il va y avoir nécessité et vous allez avoir le besoin de couper. Alors, de couper peut-être avec des personnes, c'est possible, ou de couper avec votre ancien fonctionnement, peut-être. On va voir. On va voir avec les dos de deck ce que ça peut nous dire par rapport à ça. On voit le jardin. Bon, ben, le jardin, ça m'étonne pas, hein. On voit le cœur. Le bouquet, la clé, la lune. Bon, je vais m'arrêter là. Après, on verra si je ressors la suite. Parce qu'effectivement, que ça peut avoir un rapport. Donc là, on voit bien qu'avec la carte du jardin, vous avez envie de légèreté. Vous avez envie d'être entouré, de vous entourer de monde, de vous entourer d'aller dans des lieux publics où ça bouge, où ça vit. Ce que vous avez peut-être manqué, hein, forcément, hein, comme un petit peu tout le monde ces derniers temps, manquer de rapports humains, manquer de votre entourage, aussi bien familial qu'amical, que relationnel, hein. Donc on voit que là, avec ce jardin, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Après, voilà, c'est du général, hein. Ça peut être aussi bien professionnel que familial, que amical, que relationnel, tout ce qui est autour de vous, mis à part le couple, les relations amoureuses. Donc, on voit que ça vous tient à cœur. En tout cas, vous aurez les clés pour cette transformation, pour changer, pour pouvoir enfin avoir une vie plus légère, plus agréable, avec moins de soucis. Avec la lune, on voit que vous avez peut-être aussi besoin de reconnaissance, de quelque chose de plus élevé dans votre vie, de plus fort, qui vous corresponde mieux, qui vous permette plus de vous épanouir. En tout cas, c'est une carte d'imagination, de créativité, mais aussi d'intuition. Donc, l'intuition va vous accompagner tout le long de ce mois-ci pour vous faire comprendre que certaines choses sont nécessaires pour vous. Et vous avez besoin de vous épanouir, besoin de vous élever quelque part. En tout cas, c'est une carte de réussite. Et on voit bien que vous avez les clés pour ça. Vous allez avoir de bonnes surprises, vous allez recevoir un ou des cadeaux, alors sous forme matérielle ou sous forme d'aide ou sous forme de déclic, voilà, de déclic, sous quelle forme. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, on va voir dans votre état d'esprit ou l'état actuel des choses,
sur ce mois de septembre. Alors, on a la Verge, donc là, il y a de la colère. La haute tour, la maison. Donc là, je pense que il y a de la colère par rapport à, je pense à votre situation. Peut-être qu'il y a une certaine solitude et ça vous met en colère parce que vous pensez ne pas mériter ça. Ou alors c'est une colère, il va y avoir des disputes dans votre foyer. Alors ça peut être dans votre foyer, votre lieu d'habitation, mais ça peut être aussi les gens très proches, votre famille très proche. Voilà, un sentiment de solitude vis-à-vis d'eux, peut-être. Ou alors, ben là, il y a de la colère et vous pensez... La colère par rapport à quelque chose d'administratif concernant une maison. Votre habitation ou alors une maison que maison de vacances, votre maison secondaire, votre lieu de vacances, c'est possible, de vacances que vous avez passées ou que vous allez passer. Il y a peut-être des démarches administratives à faire parce que il y a quelque chose qui se déroule mal. Alors soit vous n'obtenez pas ce que vous voulez, soit vous avez passé des vacances, vous êtes très déçu et il y a un conflit, il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, là, il y a de la colère par rapport à une maison ou dans votre maison. On va voir avec les dos de deck. Non, c'est pas celui-là, c'est il est où? Un peu le bazar sur mon bureau. Nous avons à nouveau le jardin. Nous avons les nuages. Nous avons le cœur, la souris, le renard et les étoiles encore. Non, encore, pardon. Pas encore. C'est parce que je voyais l'autre carte, je vous la remets. Parce que voilà, je continue à voir les dos de deck. Donc là, on voit qu'il y a encore la lune. Donc tout ce que je vous ai dit par rapport à la lune, c'est là. Il y a un besoin de reconnaissance. D'être reconnu dans ce que vous êtes, d'être reconnu parce qu'il y a un sentiment de solitude, ou alors reconnu par rapport à vos compétences, vos capacités, si c'est dans le domaine professionnel. Vous avez besoin de... ou reconnaissance par rapport à ce que vous réclamez, c'est-à-dire que l'autre, la personne que vous avez en face de vous, ou l'administratif, reconnaissent que ce que vous demandez, que votre colère est justifiée. Il y a un besoin de reconnaissance. Avec les étoiles, ben, c'est le succès. C'est le succès. Et en même temps, on voit que là, vous êtes nerveux, vous êtes en colère. Mais on voit avec cette carte que vous avez en même temps besoin de sérénité. Donc vous aimeriez bien que cette situation ne perdure pas. On voit que ça vous ronge, et c'est à cause d'une personne qui n'a pas le bon comportement vis-à-vis de vous. Alors, voilà, encore une fois, c'est général, donc ça peut être dans tout votre entourage, hein, qu'il soit familial, amical, relationnel, professionnel, voilà, ça peut être un commerçant du coin, hein, voilà, ça touche tous les domaines. Donc on voit bien que là, vous avez besoin de cette reconnaissance, besoin de... Et ça, vous êtes en colère, ça, il y a une situation qui vous ronge parce que vous n'obtenez pas ce que vous voulez, et ça reste flou, mais vous savez qu'il y a une personne négative qui vous met en colère parce que la situation n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Alors pourquoi le jardin? Je pense que là, pour le coup, comme vous avez besoin de légèreté, vous allez aller dans des endroits publics pour vous régénérer quelque part, vous faire du bien. Alors, ça peut être aussi un endroit de nature, entouré de monde, mais aussi un endroit de nature qui va vous apaiser un petit peu. Vous en avez besoin. Hein. On voit bien qu'avec la carte des étoiles, vous avez besoin de sérénité. Vous allez essayer de la rechercher. Entre quelques coups de gueule, entre quelques. Essayez de mettre de côté de temps en temps vos soucis,
des choses qui vous tiennent vraiment, vraiment à cœur. C'est très, très important pour vous. Le cœur revient une deuxième fois. Donc, je ne vais pas parler de sentimental puisque ce n'est pas le tirage sentimental, mais bon. En même temps, c'est difficile de l'exclure parce qu'il revient deux fois. Mais bon, c'est peut-être vraiment une situation, alors pas forcément amoureuse, mais peut-être quelqu'un qui vous déçoit, quelqu'un qui vous est très proche, quelqu'un de votre famille ou un ami très très proche. Après, ça peut être un enfant aussi, un enfant qui est assez grand, qui ado, voire un petit peu plus vieux. Qui voilà, c'est quelqu'un qui est très très cher à votre cœur, mais là pour le coup qui vous met très en colère parce qu'il y a des problèmes et il y aura peut-être besoin effectivement d'administratif hein, pour gérer tout ça. En tout cas, si je dis administratif, ça peut être en rapport avec quelqu'un d'assermenté, mais pas forcément. En tout cas, qui a des pouvoirs, ça peut être un proviseur, ça peut être un directeur d'école. Par rapport à un enfant, hein, ça peut être si vous êtes séparés, ça peut être le père avec qui vous êtes en grand désaccord. Voilà, c'est très très général. Donc, pour l'instant, c'est encore flou. Ça va passer, mais c'est flou. Vous n'arrivez pas à sortir de tout ça. Décidément, hein, vous êtes le deuxième signe sur cinq, je crois. Sur 5 qui a des énergies assez lourdes quand même, hein. Donc, bon, on va voir. On va voir l'évolution. Quelle est l'évolution? Alors, on a encore le jardin, hein. C'est amusant, hein. Trois fois, hein. Trois fois le jardin revient. Encore les étoiles. Donc là, les étoiles, ben, écoutez, c'est la réussite, hein, quand même, donc ça rassure. Donc, par rapport à cette maison, par rapport, alors, à cette maison, si c'est la maison par elle-même, c'est-à-dire votre toit, alors ça peut être maison, votre lieu d'habitation, lieu de location, maison secondaire. On voit que ça revient là, hein. Ou alors des personnes très très proches dans votre foyer, ça concerne des personnes dans votre foyer. Ou des personnes qui vous sont très proches. Là, pour le coup, je ne vois pas le professionnel parce que la maison ressort. Elle ressort deux fois. Donc là, pour moi, et on voit que c'est dans l'évolution. Donc avec l'étoile, on voit qu'il y aura une. Vous allez retrouver cette sérénité. Vous aurez l'intuition qui va vous accompagner. Hein. On a les étoiles deux fois. Donc une bonne intuition pour voir ce qui se passe. Pour découvrir, sortir de cette brume, voir les choses de façon plus claire, et ça sera une réussite. Hein. C'est le succès, la réussite, les étoiles. Donc vous l'avez quand même deux fois, vous avez l'intuition qui vous accompagne, donc vous avez les bonnes solutions. Pourquoi le jardin là qui ressort dans votre évolution? Si c'est par rapport à une maison, c'est peut-être le désir. Justement, on le sort deux fois, donc le désir de nature. Peut-être que c'est un projet, j'ai pas le déménagement, mais étant donné que ça concerne une maison, alors peut-être votre maison de secondaire, effectivement, qui est entourée de nature, ou peut-être que vous avez envie de changer, c'est peut-être un projet, je vois pas le déménagement, mais bon, en même temps, vous coupez avec quelque chose. Alors peut-être que vous coupez avec votre ancien lieu d'habitation, c'est possible. C'est possible, il y a une transformation. Quand je dis transformation, c'est une transformation de vie ou une transformation de votre façon de voir la vie, je vous l'avais dit, hein, vous avez besoin de plus de légèreté, besoin de vous épanouir, besoin de. Voilà, donc de vous ressourcer quelque part. Et c'est peut-être effectivement dans la nature. Donc vous allez peut-être couper avec votre ancien lieu d'habitation. Là, vous avez de la colère parce qu'il y a des blocages. En tout cas, blocage administratif par rapport à cette maison. Je pense que cette maison-là sera plus dans un lieu de nature. Oui, je pense que vous avez besoin de déménager et de couper avec votre vie peut-être plus urbaine. Et de partir
partir plus dans la nature. En tout cas, voilà, vous adaptez à votre situation, mais ça sera quand même du positif. On va regarder dans les dos de deck. Ça va arriver rapidement. Vous avez le soleil, donc là, franchement, c'est la carte de la réussite dans tous les domaines. Vous avez à nouveau l'administratif, donc là, vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez par rapport à ce blocage, en tout cas ce qui vous causait peut-être de la colère. Vous avez la loi avec vous. En tout cas, si ce n'est pas la loi, si ce n'est pas une dimension légale, ça va être quelque chose qui va être. Vous allez retrouver une situation plus juste par rapport à ce que vous désirez, par rapport à ce que vous avez besoin pour votre épanouissement, pour retrouver une certaine sérénité, retrouver une certaine pureté. Pureté peut-être dans un lieu de nature. On voit que là, il y a toujours la nature avec l'arbre. Donc, je pense, voilà, ça confirme ce que je ressens. Hein. Je n'exclus pas le reste, bien entendu, mais là, je ressens plus ça. Et, eh ben, écoutez, regardez, on a la cigogne, et bien le déménagement. En plus, c'est un oiseau de bon augure, donc vous allez, pour moi, il y a pour beaucoup de vierges, vous avez des déménagements, en tout cas, changement de maison pour plus de nature. Et vous avez, voilà, on continue. Hein. Vous avez la carte là du travail, mais c'est aussi la carte de la richesse, de l'abondance. Donc vous allez obtenir tout ce que vous voulez. De toute façon, on le voit avec le soleil. Hein. Donc, écoutez, c'est une très très belle évolution. On va voir la finale de tout ça. En tout cas, la fin de votre mois, on va dire. Vous avez les étoiles, vous avez le chien. Et vous avez l'homme. Donc là, soit vous êtes l'homme, le consultant, soit c'est un ami fidèle. Cet ami fidèle est un homme. En tout cas, je le vois comme ça. C'est quelqu'un qui va vous aider. Vous allez retrouver en vous. Avec la nature, avec ce lieu public, avec cette envie de légèreté, de profiter de la vie, vous allez vous entourer. Vous allez vous entourer et vous allez avoir l'appui pendant ces moments difficiles d'un ami. Et on retrouve encore les étoiles, donc encore le succès, encore la réussite, la sérénité. Vous allez retrouver vraiment. Peut-être aussi grâce à ce nouveau lieu plus dans la nature qui vous correspond plus, qui est plus juste par rapport à ce que vous êtes devenu, à votre transformation, peut-être votre transformation de comportement, mais votre transformation, peut-être que vous écoutez plus votre âme, vous écoutez plus votre enfant intérieur, ce que vous avez réellement besoin. Et vous allez retrouver grâce à tout ça une certaine spiritualité. Une certaine sérénité, vous êtes accompagné, vous avez un ami fidèle autour de vous, ce qui n'est pas peu. En tout cas, vous allez couper en changeant de lieu, en allant plus vers la nature, vous allez changer de lieu, vous allez couper avec vos anciens fonctionnements, vos anciens lieux d'habitation, je le pense sincèrement, et couper avec vous allez en profiter pour faire le ménage autour de vous. Couper avec des personnes négatives, une ou plusieurs, en tout cas qui sont assez mauvaises avec vous, assez hypocrites. Couper avec tout ce qui vous, une vie qui vous ne convenait pas et qui des situations qui vous rongeaient et retrouver une nouvelle vie, des choses qui vous tiennent à cœur. Vraiment, il y a le cœur deux fois là. Peut-être qu'il y a finalement votre ancien fonctionnement, votre ancienne vie. Je pense qu'il y a un renouveau vraiment. Votre ancienne vie, tout ce qui vous tournait autour, qui ne vous convenait pas, d'où cette colère, aussi bien cette colère contre vous-même, contre cette personne, contre vous-même parce que vous avez peut-être accepté des choses qui ne vous convenaient pas finalement. Vous êtes laissé entraîner par le train-train de la vie, hein. Parfois on ne choisit pas vraiment, il y a des événements qui viennent, qui s'imbriquent et qui vous entraînent vers une vie que vous n'avez pas finalement
réellement choisi. Il y a une grosse prise de conscience peut-être. En tout cas, là, il y a peut-être... voilà, on sent que vous avez besoin d'autre chose qui est nécessaire, qui est important pour votre cœur, pour votre âme, qui est important pour être heureux, pour que votre cœur soit heureux. Voilà, donc on va voir dans les dos de deck pour ça, pour la finale. Là, je vois un gros changement dans peut-être même plusieurs domaines. Une envie vraiment de changer de vie. Changer de vie, vraiment. Après, ça peut être une distance, un besoin de prendre de la distance par rapport à de la famille qui vous a déçu. Un membre de la famille qui vous a peut-être trahi, avec qui vous allez couper. C'est ce qui va vous amener à vous transformer, à vous faire prendre conscience de certaines choses. Je vois pas le professionnel malgré cette carte, hein. Ça peut, hein. Ça peut, mais bon, voilà, je vous adapter, mais j'ai du mal. En tout cas, il y a le déménagement, hein. Alors, effectivement, il y a le déménagement, il y a la maison qui revient deux fois. Donc, c'est pour... à moins que ça soit un domaine professionnel, effectivement, qui a un rapport, ça, je l'ai vu assez souvent, qui a un rapport avec tout ce qui est maison, construction, maison elle-même, location, vente, immobilier par rapport aux vacances, location saisonnière, location de vacances. C'est possible, peut-être. Peut-être que là, effectivement, il y a un... Bon, on va voir dans les dos de deck par rapport. Eh ben, je suis désolée. Voilà, en dos de deck, je ne peux pas aller plus loin. C'est la carte des guides. C'est la carte qui veut dire stop ou chute ou... voilà, c'est la carte qui dit que ben, je dois pas en savoir plus. Donc, je m'arrête là. Hein. Désolée. Désolée. Désolée, mes petites vierges. Enfin bon, on en sait déjà pas mal. Donc on va voir avec la carte conseil. Argent. Bon, pourquoi pas? Voilà, on a la carte des poissons. Donc je vous avais parlé de richesse. Donc là, pour le coup, cette richesse, c'est une richesse de cœur. Ça peut être une richesse de monnaie, ça peut être une richesse aussi de cœur. Une richesse dans ce que vous allez recevoir. De joie, de bonheur, de réussite. Voilà, la richesse est large, hein, bien entendu. Hein. Elle peut être spirituelle, philosophique, elle peut être sentimentale, enfin, dans les sentiments par rapport à sa famille, à ses amis, etc. On voit bien qu'il y a un ami là. Alors, l'argent, pour le coup, effectivement, si c'est l'argent purement pécunier, par rapport à cette maison, puisqu'il va y avoir un déménagement, donc des transactions d'argent, peut-être que vous allez récupérer, vous allez faire une belle transaction, vous allez récupérer de l'argent, hein, même si vous rachetez autre chose, même si il y a peut-être un gain d'argent, en tout cas dans toutes ces transactions, par rapport à un bien immobilier, c'est possible. En tout cas, là, le conseil, eh bien, c'est l'un ou l'autre. Soit économiser. Faites attention à vos dépenses. Si vous avez un gain d'argent, faites attention à ne pas trop le dépenser. Oui, le conseil, c'est de faire attention. S'il y a transaction d'argent, faites attention. Faites attention à votre argent. Si vous en gagnez, ne dépensez pas trop. Faites attention. Voilà. Faites attention à votre budget. J'allais dire, je vois pas trop le rapport avec le tirage. Bon, la carte conseil a très très souvent est en rapport avec le tirage. Là, le seul rapport que je peux voir, c'est peut-être par rapport effectivement à une notion de loi si vous en avez besoin. Je peux pas l'exclure. Je le ressens pas trop comme ça, mais bon, je peux pas l'exclure parce qu'il y a deux fois la tour, l'administratif, et il y a une notion de loi avec le lys. Donc effectivement, si vous devez faire appel à la loi. Effectivement, faites attention à votre argent, ça peut peut-être vous coûter cher, même si après vous retombez sur vos pattes parce qu'on voit qu'il y a quand même le soleil, il y a très très belles cartes.
En tout cas, voilà, ça va peut-être être nécessaire au départ. Donc, faites attention, il peut y avoir des dépenses imprévues ou peut-être plus fortes que ce que vous pensiez. Voilà, faites attention. Voilà, et puis ça peut être en rapport, bien entendu, avec tout ce qui est transactions immobilières, transactions. Si c'est professionnel, eh bien oui, faites attention parce qu'il peut y avoir, par rapport à un déménagement, là pour le coup, ça sera peut-être un déménagement forcé si c'est dans le professionnel que vous êtes obligé de garder votre maison. Là, il y aura peut-être de la colère vis-à-vis de votre compagnon ou votre compagne qui ne sera pas d'accord. C'est possible parce que vous serez obligé par rapport au professionnel de vous déplacer, voire même d'avoir une location plus loin, hein, ce qui arrive, hein, certaines personnes sont obligées de louer un tout petit studio ou chez l'habitant ou ailleurs parce qu'ils ne peuvent pas revenir. Donc là, c'est pareil, faites attention à votre argent parce que ça aura un coût. Et là, effectivement, peut-être que votre conjoint ou conjointe n'est pas trop d'accord avec ce nouveau changement, et il y aura peut-être des soucis, il y aura de la colère, il y aura des disputes parce que votre hôte qui aura pris cette décision l'aura peut-être fait en secret au départ, vous n'aurez peut-être pas vraiment demandé votre avis. Donc là, de l'hypocrisie quelque part, et vous allez retrouver dans votre maison avec une certaine solitude. C'est possible aussi. Il y a tellement de cas, je ne peux pas vous en dire plus. Donc on va voir avec les trois cartes. Les trois cartes des guides, je vais demander à ce qu'ils me sortent trois cartes. Voilà, on va voir ce qu'ils nous disent. Est-ce que c'est des conseils? Est-ce que c'est par rapport à votre tirage des explications supplémentaires? Je ne sais pas, un bilan, on va voir. Alors, on a la femme qui pense. On a le cœur brisé et on a le monde. Je pense que là, je le mets là pour faire de la place, de toute façon, il n'y a pas de sens, hein. Je pense que là, le cœur est revenu quand même deux fois. Je pense que c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. Ce pourquoi vous vous fâchez, ce pourquoi il y a eu des disputes, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et quelque chose qui vous... Qui vous brisait le cœur. Alors, je ne parle pas du sentimental, hein, je ne parle pas de l'amour. Il y a une situation qui vous peinait vraiment, vraiment. C'est comme je vous disais, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Et la situation, il fallait qu'elle change parce qu'il fallait une transformation, il fallait couper avec un fonctionnement, avec des choix de vie, avec une personne, avec une situation, parce que ça vous brisait le cœur, parce que c'était important pour vous. Ça peut être dans le relationnel, ça peut être par rapport, je peux continuer aussi dans la maison, hein, puisque changement de vie, parce que voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas et c'était nécessaire pour vous de le changer. Ça vous tenait à cœur parce que la situation était difficile pour vous. Elle touchait, c'était profond en vous. On sent là, à travers cette carte, que... Il y a de la solitude. Vous voyez, cette personne, elle va vers le monde. On vous conseille. On voit qu'elle est seule. C'est gris autour. Et la perspective, c'est le monde. C'est de vous ouvrir au monde. Je pense que là, effectivement, on voit que vous êtes. Cette transformation vous a amené à réfléchir à votre vie. À faire le bilan de votre vie et de voir ce qui est important pour vous par rapport à vous-même, par rapport à ce qui est important pour votre épanouissement, aussi bien dans votre lieu de vie, dans votre façon de vivre, dans ceux qui vous entourent, de bien vous entourer. Et là, on voit que vous allez être bien entouré, hein, il y a une belle évolution, hein, c'est nécessaire pour vous de changer cette vie parce qu'elle vous étouffe et parce que vous vous sentez seul, même entouré quelque part. Même entouré, il y avait un sentiment peut-être de solitude, un sentiment de désert autour de vous parce que ça ne vous correspond plus. Et là, cette carte résume bien.
cette vie qui ne vous correspondait pas et qui vous conseille d'aller vers le monde, de vous ouvrir et de changer de vie, de vous transformer et d'aller vers ce qui vous attend. Et quand on voit le monde, j'allais dire l'infini, c'est pas l'infini, c'est de grandes ouvertures si vous changez. Donc effectivement, là, vous aviez le cœur brisé, il y avait une situation qui vous brisait. Alors peut-être cette personne, mais voilà, c'est peut-être cette personne qui vous a brisé. Peut-être que dans l'amical, dans le relationnel, vous avez été très très déçu. Et comme vous êtes peut-être quelqu'un de très sensible, ça vous a touché profondément au niveau du cœur. C'est possible. En tout cas, là, vous aurez cette transformation. Vous allez couper, vous allez avancer et vous allez aller vers une autre vision de la vie, vers un autre fonctionnement. Vous allez faire le nécessaire pour tout changer autour de vous. Je le ressens vraiment comme ça. Vous allez changer au niveau, faire le ménage au niveau du relationnel, faire le ménage au niveau d'un entourage qui ne vous correspond plus, ou ça va se faire naturellement en changeant votre lieu de vie, votre mode de vie, en allant vers plus de nature. Et ça va vous amener à... Ça va faire boule de neige. Ça va vous ouvrir énormément de portes. D'où le soleil et la réussite dans tous les domaines. Voilà. Donc je pense que ça va être... Après mûre réflexion, après une certaine sagesse que vous allez acquérir après ces réflexions, après cette transformation, vous allez aller vers ce qui vous correspond vraiment, vers ce que vous désirez au plus profond de votre âme. Je le ressens comme ça. Il va y avoir de la colère hein, contre les autres, contre vous-même, de d'avoir accepté, de vous être laissé entraîner vers une vie qui ne vous correspondait pas. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Bah, c'est un beau tirage. Il va y avoir du ménage au niveau du cœur. Vraiment, au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de tout ça. Un vrai chamboulement, mais un beau chamboulement, vraiment. Je vous fais de gros gros bisous les vierges. À bientôt pour le sentimental. Si ça vous a plu, likez, hein, ça sera mon petit cadeau. Abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un petit message. Bisous, bisous!